Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Ghosty et bienvenue pour un nouvel épisode de Spider-Man 2. J'espère que vous allez tous très bien les amis et voici le grand rendez-vous du vendredi, hein, deux épisodes de Spider-Man 2 au compteur. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire aujourd'hui? Bah déjà, la quête principale. On n'est plus très loin de la fin de Spider-Man 2 les amis, ça va être triste. En vrai, ça me fait un peu chier de le terminer... c'est dommage que la quête principale va bientôt être terminée, mais voilà, c'est un très beau jeu d'Insomniac et tout ça, franchement faites-le si vous avez l'occasion de le faire. En tout cas, niveau des tenues, oh non, je l'aime pas du tout celui-là, oh là là, le cousuma, non. Du coup, niveau des tenues, on en a débloqué des nouvelles, je crois, la dernière fois on les avait pas ces deux-là, hein. Oh, on les a débloqués, pas vraiment, mais celui-là, j'aimerais bien l'avoir rien que pour le Potéchat qui est là. Composant de tenue, on n'a pas de nouvelles compétences à mettre. Bah, de nouveaux composants. Pour l'instant, non. Concentration non plus, déplacement non plus. Gadget, on n'a pas grand-chose à faire. Même pas du tout. Il faudrait récupérer des trucs, hein. Au niveau des compétences, alors, là, il faudrait terminer sur de Miles, il en reste plus beaucoup. Tu disais, méga décharge biométrique génère de la concentration, méga décharge biométrique autonomie. Ça pourrait être bien. Peter, il faudrait qu'aussi je fasse son tableau, là, son tableau de compétences. Avec la frappe symbiotique et tout ça. Mais je pense que Peter, c'est pas les seules compétences qu'il aura, il en aura peut-être d'autres. Si on a de nouvelles tenues ou pas, hein, je sais pas, on verra bien. pour les deux Spider-Man aussi, ouais, il faudrait que je fasse leur tableau, rebond, fouet d'araignée, looping boosté, combo de ravitaillement, et para des armantes, hein, il faudrait que je fasse tout ça. Mais bon, pour avoir les compétences, c'est un peu long. Donc là, on a un petit crime. On va faire le crime, hein, qui a été signalé. Puis après, on va voir les quêtes à faire. Putain. Vous aimez y aller à fond ? Pas de problème. Hop. Hop là, c'est bon. Tu crois qu'il nous a eu, hein ? Du temps que je me gratte, j'avais le temps. Et boum ! On est bon. Un crime arrêté. Là où on a des chasseurs, donc à la rigueur on pourrait faire les chasseurs là dans le coin. Sont là où les chasseurs, ouais. Alors on va s'occuper des chasseurs. Je voulais laisser MJ un peu tranquille, là, je suis crevé. J'ai besoin de rentrer me reposer. Ah, on a une quête à faire. Le prenez pas mal, c'est plus fort que moi. Il faut que je patrouille. Voilà. Ah la vache. Attention. Fais lui rentrer. Hop là, tu dégages. Alors toi mon gars. Si tu dégages. Hop 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 hop, on se calme les gars. Génial, des renforts. Oh putain. Oh, j'ai pas aimé ça. Mais oh les gars, oh, y a trop de bordel là. Ça dégage, ça dégage. Putain. Je me suis foiré. Je me suis foiré. Ah, franchement, je me suis foiré. Du coup, on retente. Je voudrais pas vous chasser, mais vous pouvez pas rester là. Ça dégage. Il est dans mon viseur.
Allez, ça c'est parti. Ça dégage. Restez sur lui. Il y en a encore ? Mais qui a demandé des renforts ? Hop là, ça dégage. Pourquoi ça a pas voulu? Attention, Antoine. Dégage. Ta la 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 la. Putain. What? J'ai pas le temps. Ça dégage. Voilà. Là, on est bon. Lui, il est KO. Ouh, c'était hardcore. Alors du coup, on a ça. Faites pas attention à moi. Je fouille juste un petit peu. Ok. On a quelque chose. Et ben alors, pourquoi ça détecte pas ? Pourquoi ça détecte pas, je comprends pas là. Ah d'accord, faut que je sélectionne. Ok. Le dernier doit être là. Ouais, on est bon. Ok, on est bon. Du coup, est-ce qu'on peut faire des tenues, des... Bah les tenues en soi on n'a pas vraiment besoin pour le moment. Oh, le Spirepunk, trop bien. On a débloqué celle-ci, j'ai l'impression, ou elle était déjà débloquée, j'ai pas fait gaffe. Tenue pour toujours, chat de l'épicier. Allez, j'ai envie de mettre celui-ci. Le chat de l'épicier. Fabriquer des styles. Ok. Composants de tenue. Est-ce qu'on peut faire des choses incroyables ou pas? Non, pas pour le moment. Gadget, c'est pareil. Compétences. Les compétences aussi, on peut faire des trucs. Impeccable. Looping boosté. On va faire ça. Au moins, ça booste la vitesse. Dans le on est bon. Ouh, ça va plus vite. Ça, c'est bon, ça. Ça va plus vite. Niveau 26. C'est déjà pas mal. Encore un point de compétence? Non, c'est une blague. Attendez. Encore des points de compétence? Non. Ouais, c'était bien... Eh, c'est une fraude, je me disais bien. Je me disais bien, on avait déjà le point de compétence et tout ça, en fait. On les a eu là. Et on les a utilisés. Oh, je pourrais aussi prendre la tenue pour toujours, mais... Pff, non. En vrai, non. En tant que société... Nous devons engager une réflexion collective sur le concept de héros. Comme je l'avais prédit, un monstre dont on pensait être débarrassé a refait surface. Spider-Man a encore échoué à nous protéger. Sur oh mais lui, c'est un casse-couille hein. Je l'ai jamais aimé, GDG. Et le bon docteur a entraîné Spider-Man dans l'une des
démonstrations d'héroïsme les plus pathétiques. Oh là là, qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'y a-t-il d'héroïque à détruire des pièces de musées inestimables ou à démolir des pâtés de maison entiers? Qu'est-ce qu'il nous raconte lui? De faire des millions. Merde, je me suis foiré. Selon moi, les vrais héros, ce sont les dizaines d'agents de police blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Mais comme bien souvent, Spider-Man n'était pas seul, et les chasseurs continuent de n'en faire qu'à leur tête, ignorant nos lois et toutes règles de bienséance. La patience de nos concitoyens. On y est presque. Trop, c'est trop. Nous y sommes presque, les amis. Nos élus vont-ils accepter? Bah, c'est un peu long, mais bon, hein, c'est 1000 mètres. Hein. Je vous le dis, nous n'avons plus le temps d'attendre. Nous n'avons plus de temps à perdre. Un jour. GGG, ta gueule! Tu me saoules! Spidey, c'est notre héros! Fais pas chier! À la poursuite des chasseurs, crime signalé. Ok, il y a un petit crime là-bas. On va le faire, je pense. C'est à côté. On n'est pas très loin de chez Peter. En plus. Ah bah super. Eh les gars, vous êtes pas vraiment réglo. Franchement. Sans déconner, vous êtes vraiment pas réglo les gars. Mais putain, mais balance ton attaque, du con! Oh là là là! Hey, c'est une blague là! Je voulais balancer l'attaque! Ça a pas voulu. Ok. On fait comment là? Bon bah écoutez, hein, tant pis, on va aller là. Tant pis pour le crime. Hein. Ah, elle a rédigé un truc. Ah, c'est l'article dont je te parlais. J'aimerais avoir ton avis. C'est génial, MJ. J'ai trop hâte de lire. Attends. T'as toujours le costume? Connors devait pas t'aider à le retirer? Et Harry, alors? Désolé. On peut en reparler demain. Combattre le lézard. Ça m'a éclaté. Mais il en peut plus le pauvre. What the fuck? Ah ouais, carrément. What? Il se passe quoi là? Des chasseurs. Non. C'est une blague. C'est une blague. Bon bah on va devoir combattre avec MJ hein. Bien reçu. Merde. Toi c'est bon. Il me reste que les escaliers. Putain, y'a du monde en bas. Où Peter? Bah. Salut, vous êtes sur le. Sur le répondeur de Pete. Ouais, bah ça fera l'affaire. Les messages... Attends, quoi? Mais ça se passe avant que Peter il parte se coucher ou. Non, il était parti se coucher. Pourquoi il dit allez où? Il est où Peter? Il y a une incohérence là. Oh, j'ai loupé un épisode. Ta gueule, tu m'as pas vu. Surveille devant et derrière. Tu m'as pas vu. Coup de balle.
Je vais me faire repérer en moins de deux si je sors par là. Ne grince pas, s'il te plaît. Oh, merci. Ah, ça se passe juste après. Pourquoi dit t'es où, Peter? Je comprends pas la... Je comprends pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Parfait. Ah, oh putain. D'accord. Ah, d'accord. Ouh, ça c'est stylé. J'adore. MJ qui combat. Ah, ils font chier, les chasseurs. Ah, mais il est là, ce... Il est là, Peter. C'est lui. Oula. Peter. Il est hors de lui. C'est pas Peter. J'ai pu utiliser son lance-toile pour entoiler des chasseurs à l'environnement. Le réticule passe au rouge lorsque la cible est à portée. Ok. Je vais me faire repérer. Non, jure. Tu m'as pas vu. Ça va. Alors là, il y en a à gauche. On va essayer d'aller là. Tranquille. On a une oh putain ici. On n'a pas vu. Regardez qui voilà. Ta gueule. On n'a pas vu. Tu m'as pas vu. Rejoindre Peter. Par là, à mon avis. On se casse par là. Peter a pris la rue parallèle. Oh putain. Oula, il y a du monde. Putain, j'ai fait... J'ai failli faire le con. J'ai eu peur. Oh, il y a encore du monde à l'intérieur, c'est une blague. Toi, mon gars, je vais te démarrer. Ou... Hey, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh non. Tais-toi. Aïe. Il y a du dégât là. Ah là, c'est plus Peter. C'est carrément un symbiote qui. Qui prend le relais là. Ah, il évolue. Tu m'as pas vu, mon gars. Trop tard. Ah, oh, putain, y a des chiens. Viens là, toi. Viens là, mon copain. Attendez, je vais vérifier. Non, ça m'a vu? Lâchez pas la fille. Non, il m'a pas vu. Tu m'as pas vu, mon copain. Tu m'as pas vu. Trop tard.
Et du coup, là, il y a moyen que je trace. Je crois que Pete est parti par là. Putain, là, il y en a deux. On aurait peut-être fait du bruit et réveillé tout le monde. Au moins, ça ferait sortir l'araignée de sa planque. Ce serait de la folie. Mais amusant. On n'a pas eu. Quoi qu'il en soit, on perd du temps et l'araignée continue de bouger. On finira bien par la voir. J'ai entendu un bruit par là. Toi, mon pote, tu m'as pas eu. Elle est par ici. Oh putain! D'où est mon but? Tu t'échapperas pas. Ouh! Alléluia! Pourvu que Pete soit toujours derrière. Allez, on se casse. Putain, il y a encore du monde. C'est une blague. C'est une blague. Il est là-bas. Mais il est en train de muter là. Il est en train d'évoluer. Comment je vais entrer dans cette maison? C'est la gamine. Tu vois la gamine? Mettre des châtés, mon gars. Cette femme vous a traqué toute la nuit alors que vous poursuiviez l'araignée. Elle sera dans les parages lorsque vous trouverez notre proie. Il faudra me ramener les deux. Les deux? Ah ouais, carrément. Bon, je vais essayer de me planquer le maximum possible. Ça va, ça passe pour le moment. Pour l'instant, les amis, ça passe. Là. Toi, t'es mort. Là, est-ce qu'il y a quelqu'un? Là, il y a quelqu'un. Il me verra pas. Si je trace, normalement non. Voilà. Là, on est bon. Où il est parti? La fenêtre. Ouh, on est bon. Allez, chez. Peter. Bien fait pour toi. Non mais là c'est fini. C'est le symbiote qui prend dessus là. Miles. Là-haut. Faut que tu le rattrapes. Avec le potiche du quartier. Du coup, les amis, c'est parti pour la course-poursuite contre Peter. Pas lui-même. Ça doit avoir un rapport avec son costume. Bah oui, c'est symbiote qui a pris le dessus. Il porte un alien? Il a besoin d'aide, Miles. Je t'en prie. Je m'en occupe, MJ. Je m'en occupe. Allez, let's go, les amis, c'est parti. Oh, nous y sommes. Bah, dès maintenant, apparemment. Presque, j'ai eu un, mais non. C'est bon. C'est normal, c'est moi. Oh là là là, le bordel. Est-ce qu'on va avoir de nouveaux pouvoirs ou pas? C'est une plaque d'égout. Certain que c'est toi qui le fais? Quasi sûr. Il s'est arrêté devant le tunnel de Queensboro. Il y a des chasseurs partout. D'accord, je suis en route. Assure-toi que les chasseurs ne le délogent pas encore. Entendu. Peterman, stop! Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi! Je croyais qu'il était juste un peu bizarre. Mais là, ça devient n'importe quoi! Je le reconnais plus! Je fiche pour tuer! Ouh! Ça c'est hardcore! Là il y a du monde! Peterman, tu te souviens? Allez, essaie de te reprendre! Comment tu veux que je boucle mon essai sans mon tuteur préféré? Je suis prêt, Mike. Comment va Peter? Il est
Furax. Et il écoute rien ce que je lui dis. Alors on va peut-être devoir s'y prendre autrement. Je suis ouvert à toutes les suggestions. Je me déplace. Hop là. Ça c'est fait. Encore ? On a encore, il y a encore du monde là ? Hop là, ça c'est fait. Ouh. Enferme-moi dans le tunnel avec Pete. Quoi ? Si je l'ai pas la seule, je pourrais sûrement le ramener à la maison. MJ, je suis pas convaincu que ce soit. Tout de suite, Miles. C'est pas vrai. Allez, let's go. Franchement, c'est stylé. MC, que va-t-il se passer ? MC, est-ce que ça va ? Ouais. Mais je vois pas Pete. Okay, il est vraiment possédé, le pauvre. J'espère qu'il va pas nous attaquer. Attends. Ah si, il est là. Ça, il y était. Discuter. Putain, il est vraiment possédé. Oh le pauvre. On est plus très loin du jeu quand même, hein, ça se voit. Vu la tournure que ça prend. Mais où est-ce que tu vas ? Wouah, le bordel. Oh là là là. Ah, je peux pas passer par là à gauche, ouais. Je peux me faufiler. Il est Furax, hein, mais franchement, il est Furax. Incontrôlable. C'est vraiment le symbiote qui prend dessus. Hein. Waouh. Les couleurs, les amis, c'est magnifique. Ils sont magnifiques. Oh là, oula, oula, oula. Ah, il aime pas ça le bruit. Est-ce que ça va être Mary Jane qui va... Est-ce que ça va être MJ qui va... lui enlever le costume ou pas? What? Non, non, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Je préférais la tenue de Spider-Man 3, elle est dégueulasse, celle-ci, je l'aime pas, putain. Non. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça pue. MJ, enlève-lui le costume. Fais quelque chose. Sers à quelque chose cette fois-ci. Même si t'as servi depuis tout à l'heure. Comment ça va de ton côté? J'ai trouvé Peter, mais... Il est endormi. C'est une bonne nouvelle? Je vais essayer de le réveiller. Tu pourrais retenir les chasseurs encore un peu. Je vais essayer. Cible en vue. À couvert. Putain, tu vas pas me laisser attaquer, connasse. Wouh. Oh, l'esquive. L'esquive de la loutre. Mange-toi ça. Bon, il y en a plus. Ah, il y en a encore. Quand il y en a plus, il y en a encore. Ça, c'est sûr. La police va débarquer. Alors, c'est juste pour vous prévenir que vous aurez du public quand je vous mettrai une raclée. Oh la vache. Finissons-en.
Je suis le dernier Spider-Man. C'est moi. Et bon, il y en a plus. Si, il y en a encore un là-bas. Même encore plusieurs. Wouah, fait mal lui. MJ, vite, t'es réveillé. Vice, je t'entends pas, je suis sur toi. Putain, c'est hardcore là. Il y a trop d'ennemis qui arrivent à la fois. Ah, ok. Faut que je rentre là-dedans. Dès que j'en aurai fini avec eux. You machin. Non. Non 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 non. Mais esquive bordel de merde. Quand tu veux, quand tu cliques sur l'esquive etc, il esquive pas cet abruti. Ben non. Il continue ce con. Comment ça va de ton côté? J'ai trouvé Peter, mais... Oh mon dieu. Il est endormi. C'est une bonne nouvelle? Je vais essayer de le réveiller. Je pourrais retenir les chasseurs encore un peu. Je vais essayer. Cassez-vous, bande d'enfoirés. Casse-toi. Oh putain, avec la petite cinématique du chat. Ah la blague. La petite cinématique du chat, quoi. Spider-Cat. Bon, c'est fini. Oh punaise, y'en a encore. Oh là 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 là, le bordel. Et le Spider-Cat, il bouge toujours. Sans déconner. Oh, recommence. Donne-moi des news. On va y arriver à un moment donné, ça se passe comment là? J'ai trouvé Peter, ouais. Il est endormi. C'est une bonne nouvelle? Je vais essayer de le réveiller. Je pourrais retenir les chasseurs encore un peu. Je vais essayer. Mais il t'a pas par là, putain! Je sais pas, y'a quelqu'un qui te vise, Miles, tu tires pas sur lui? Oh, bordel. D'accord, je me suis fail. Bah, ça, c'est fail. J'ai pas compris pourquoi, mais bon. Ah!
Allez, on fait ça. Boum! MJ, vite, t'es réveillé. Putain, mais c'est pas possible. Bon les amis, je vais faire une ellipse du temps que je réussisse à faire ça. À de suite. Enfin les amis, après plusieurs essais, ouh c'était chiant. Boum boum. Ouh les dégâts. Oh la vache les dégâts. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas si beau. Quoi? Non! C'est un ennemi. Non! Qu'est-ce qu'il a fait à Miles, lui? Oh, le fumier! Mais quel fumier! Ouvrez le passage! Oh mon dieu. Ah, en gros, l'ouvrier, c'était vraiment un ennemi, quoi. Il a empoisonné Miles, mais il est endormi. Et Peter, il bouge pas. Alors, on va devoir encore jouer MJ. Ah non, on va le réveiller. Est-ce que ça va le réveiller? J'espère que oui. J'espère que oui. Non. Oh 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 oh. Oh non. Il est possédé. Oh là là, le bordel les amis. On se casse d'ici. On se barre d'ici les amis. On esquive. Hein. On esquive et tout. Hein. On se barre. On va se faire choper. J'ai fait carré, pourquoi ça marche pas? Alors je comprends pas, j'ai fait la touche qu'il fallait, ça ne marche pas directement. Oh, je comprends pas du tout. Je sais pas si vous avez des bugs, les amis, sur ce jeu, mais franchement, j'en ai eu un petit peu, quoi. Hein. On va pas se mentir. Oh oh. Allez, on se casse. Il est carrément possédé, là. Oh la vache. MJ. Non, c'est pas ça. Il va pas faire ça, non? Dommage. Coucou, c'est moi. Le petit coucou, c'est moi, franchement, ça pourrait passer aussi. Ça fait coucou, c'est moi. Il a disparu. Je suis là pour toi, pour te faire chier, pour te détruire. Oh, je le sens mal, l'histoire. Mais il ne va pas tarder à revenir. Franchement, cet épisode, les amis, incroyable. Incroyable. Je pense que vous allez surkiffer l'histoire de cet épisode. Ah, la météorite, elle est là. Ah, carrément, il s'est endormi dehors et tout. Oh la vache. Oh la vache. Rappelle-moi vos mails.
Et lui, s'en tape. Ah, ça va nous refaire comme un Spider-Man 3, non? Genre, guidance et tout. Oh, ça aurait pu, hein. Ça aurait pu. Bon, bah, les amis, j'espère que l'épisode vous aura plu. En tout cas, pour ma part, j'ai adoré. Abonnez-vous, likez la vidéo. On se retrouve à très vite pour de nouvelles aventures. De nouvelles aventures jeux vidéo ludiques. Ciao, ciao tout le monde. Je dois vraiment récupérer ce costume. Mon père travaille sur un nouveau remède, mais. Je sais pas. Ramène-le-moi. S'il te plaît. Je me demande si Harry a vraiment besoin du costume. Parce que tant que je l'ai, cette ville est plus sûre. Tout le monde en profite. Tout le monde y gagne quand Spider-Man assure, pas vrai? Et Norman est intelligent. Je suis sûr qu'il trouvera un autre traitement pour Harry.